Per venire a rispetto di nuovo del Grand Conseil, Monsieur le Représentant del Comité Olympique Suisse, Mr. President of the International Badminton Federation, ladies and gentlemen, I would like to welcome you on behalf of the International Olympic Committee in this Olympic House, the house of any important sport in Lausanne, I would say is the capital of the Olympic world. And we are very happy in the IOC that your sport, badminton, will be a full Olympic sport in 1990. We think badminton is a very international sport. Welcome. And now I would like to ask the President of your International Federation to say some words. Thank you very much. I'll do the best I can in English as it is spoken in the South Pacific. I would like to thank you, sir, for your kindness in asking us here today to look at your splendid new building and your hospitality in having us at this gathering. We in badminton are very, very proud and thankful that we are at last a member of the Olympic family. We will try to live up to the ideals of the Olympic Charter. And I assure you that we of the International Badminton Federation will do everything in our power to make sure that our participation in the Olympic Games will be of the top class. Thank you, sir, once again for your hospitality. Thank you. Monsieur le Président du Comité International Olympique, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du comité d'organisation de notre manifestation de ce jour, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre accueil. Nous savons tous ce que vous faites pour la cause de l'olympisme, mais nous savons tous également, nous autres, le Danois, ce que vous faites pour le sport dans notre ville. Et aujourd'hui, c'est l'exemple. Car grâce à vous, grâce au Comité Olympique International, mais grâce à vous tout spécialement, grâce également à la Fédération Internationale de Badminton, également à la ville de Lausanne, nous avons réussi à mettre sur pied cet événement tout à fait exceptionnel. Je dis événement parce que nous avons réussi. Cette manifestation va permettre de servir notre cause. Et en plus de cela, je suis sûr qu'elle va permettre à des non-initiés de faire connaissance avec le sport du badminton, qui est un sport merveilleux et qui, soit dit en passant, mérite bien ses lettres de noblesse. Et comme tout le monde le sait, comme on vient de dire, le badminton fait maintenant partie de la famille olympique. Déjà en 92, ce sera quelque chose de définitif. Mais déjà, les prochaines Olympiades à Séoul, on pourra déjà voir du badminton. Simplement pour vous
vous saluer et pour vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux de vous associer à cette grande fête, parce qu'aujourd'hui c'en est une, réunir sur le même plateau autant de joueurs au niveau mondial était quelque chose d'assez exceptionnel. Mais en fait, grâce à l'appui du Comité international olympique et tout particulièrement de son président, son Excellence M. Van Antonio Samaranch, grâce également à la Fédération internationale de badminton et ses présidents et vice-présidents M. Palmer et Rilly, nous avons réussi, ainsi qu'avec le concours de la ville de Lausanne, à mettre sur pied cette importante manifestation. Je tiens à les remercier, car sans eux, nous n'aurions pas pu faire un tel programme. Jean-Denis Samaranch. Mesdames, Messieurs, je crois que vous avez venu ici pour voir le bon badminton et pas pour écouter des discours. Mais même, je dois remercier en premier lieu à tous les joueurs et joueuses pour sa présence ici ce soir à Lausanne. Aussi, je voudrais m'adresser au comité d'organisation, à la Fédération Suisse du badminton et surtout à la Fédération Internationale. Ils ont fait un grand effort pour organiser cette manifestation. Aussi, je voudrais vous remercier à tous, pour votre présence ici. Et je crois qu'avec cette collaboration, je peux vous dire que nous ferons le possible, le Comité international olympique, pour aider à que Lausanne, ville olympique, peut présenter dans ces prochains mois et ces prochaines années, dans tous les sports olympiques, des exhibitions et de tournoi. Mais ça, nous le ferons seulement avec votre aide et collaboration. Merci beaucoup. Je voulais présenter ce drapeau olympique au président de la Fédération internationale avec le remerciement de le Comité olympique international pour l'effort qu'ils ont fait, et aussi, je crois que je peux dire, avec le remerciement de la ville de Lausanne. Monsieur Debrue, Monsieur le Président, ladies and gentlemen, on behalf of the International Badminton Federation, I would like to thank the Swiss Badminton Federation for the effort they put in staging this demonstration match in Lausanne. I would also like to thank Monsieur le Président for the courtesy he does us by attending tonight. I trust that he enjoys the play as much as he did in Copenhagen 3 years ago. Thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you an enjoyable evening. Saranche et Palmer pour leur aimable parole. Et à présent, j'aimerais présenter M. Helmut Hauser, président de la Fédération Suisse de badminton, qui aimerait remettre un présent à M. le président Saranche.
simple dame, Miss So Young Chung, victorieuse en double dame notamment aux internationaux du Danemark et du Japon. Miss Yung Ya Kim Corey, cette joueuse a toujours été bien placée au All England ainsi qu'au Japon où elle est vainqueur. Miss Yang Yang Shin, finaliste de la Coupe du Monde, demi-finaliste des championnats du monde. Miss Ju Bong Park Corey, champion All England 86, champion du monde en titre du double messieurs. Son partenaire en double messieurs est Mr. Moon Soo Kim Corey. Vainqueur des derniers All England 87 en double messieurs, Mr. Tiam Binji Shin. Mr. Lee Yongbo, son partenaire en double messieurs. Finaliste des derniers All England 87 en simple messieurs, champion du monde à Copenhague, Ichuk Sujiarto, Indonésie. Mademoiselle Li Lingwei Shin, championne du monde en simple dame et demi-finaliste All England. Miss Christine Magnusson, Suède. Cette joueuse excelle dans tous les doubles. Miss Ling Ying Shin, championne du monde double dame. Stefan Carlson, ancien vainqueur All England, double messieurs, ainsi que champion nordique en double messieurs, double mixte. L'un des meilleurs joueurs indonésiens du moment en simple messieurs et double messieurs, Edi Kurniawan, Indonésie. Champion d'Europe double messieurs 86, champion du monde en double messieurs à Copenhague et champion de plupart internationaux, Steen Flatberg, Danemark. Champion des Malaysian Open en mixte, champion Coupe du monde 86 en double messieurs, Bobby Hertanto, Indonésie. Multiple champion des All England en simple messieurs, actuellement reconverti en double où il excelle et cumule les victoires, Lim Swee King, Indonésie. Vainqueur des derniers All England 87 en simple messieurs, ainsi que champion d'Europe et vainqueur de plusieurs All England, Mr. Morten Frost, Danemark.
11 seconds. 8, 11 seconds.
October 8-11.
Sauber.
tonight. Eight. 30, 10.